Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour la FAQ des 1000 abonnés. Salut, on est en facecam comme promis. Alors j'ai mon casque, j'ai mon micro, c'est juste pour calibrer l'audio avec l'image que je vais pas utiliser le son de la caméra parce que le son de la caméra c'est de la merde. Vous vous rappelez la caméra que j'utilisais au tout début? Ben c'est ça, voilà, c'est cette caméra de merde. Voilà exactement. Donc on va commencer tout de suite, donc je pense que ça va pas durer longtemps. Donc merci à ceux qui ont posté donc leurs questions dans les commentaires de l'annonce FAQ. Pour ceux qui ont posté donc sur Twitter, pour celui-là qui a posté sur Twitter, donc là, je vais être le plus franc possible. Enfin, j'ai essayé d'être franc et de rester normal en fonction de YouTube. Donc on a 13 questions. Donc on va commencer par la première. Donc là, vous devrez voir les petits bandeaux. Donc, qui est proposé par Mister Marius. Pourquoi Loulou 300 VP? Alors, comment dire Loulou 300 VP, pourquoi? Alors je ne sais pas, pour ceux qui sont sur YouTube ou qui sont qui regardent les vidéos depuis longtemps, il y avait un certain Bibi300 et je me suis inspiré de lui en fait parce que j'adorais ses vidéos et je me suis dit Bibi300 c'est pas mal, donc je vais prendre un truc à moi. Et comme j'entendais, on m'appelait souvent Loulou, ou plutôt mes parents m'appelaient Loulou parce que voilà mon petit Loulou, voilà, un truc du genre. Et donc j'ai pris Loulou avec le 300 et me suis dit Loulou300 ça fait un peu kikoulol. Donc on va mettre des initiales derrière, donc V pour Vincent et P, et voilà, je vous dis pas, je vous dirai rien du tout, voilà pourquoi Loulou300 VP. Donc seconde question, bon, c'est toujours la même, excuse-moi, voilà, donc ça fera 12 questions en fait. Donc troisième question, donc proposée par Drizoxy, excuse-moi, comptes-tu faire des séries inventées sur WWE 2K15? Est-ce que ce sera possible de faire une vidéo sur WWE 2K15 avec toi, sachant que je suis YouTuber? Alors si je regarde la vidéo, ben merci. Des séries inventées sur 2K15. Déjà il y a le mode 2K Showcase, il y a le mode carrière, et il y a l'image des abonnés. Trois grosses séries, donc un épisode par semaine, c'est quand même du lourd, étant donné que je fais des études et tout, et que ces temps-ci j'ai de moins en moins de temps, donc c'est pour ça que je fais de moins en moins de. Enfin. Les vidéos sur 2K15. C'est facile à faire, c'est tu captures l'audio, la vidéo, tu fonces au montage, tu fais le calibrage à la con, enfin tu calibres l'audio et la vidéo, boum, tu fais le rendu, c'est fini. Voilà, de s'y réinventer, peut-être, ça dépendra en fonction du mode 2K Showcase et s'il y a des gens qui me demandent de faire telle chose. Après, est-ce que ça sera possible de faire une vidéo avec toi? Bien sûr, Driggs. Si t'es sur PlayStation 4, je pourrais faire une vidéo sur 2K15. Si t'es sur PS3, Xbox One ou Xbox 360, c'est foutu. C'est foutu. Et ben comme t'es sur YouTube, ben je te souhaite bonne continuation. J'irai voir juste après la vidéo ta chaîne peut-être. Est-ce que je peux aller la voir tout de suite? Comme ça, est-ce qu'on peut te dire des choses gentilles? Alors, ça dépendra de si mon YouTube veut bien marcher. Alors attends, je note ton truc. Que je regarde peut-être vite fait pendant que je fais la vidéo. Hop là, voilà, j'ai mon truc qui galère. Donc voilà, donc ensuite, prochaine question, donc de Sergent Toxique, pour ceux qui connaissent pas, allez vous renseigner, parce que je pense que tout le monde le connaît. Hein, j'ai proposé de faire un retweet sur Twitter, je crois pas qu'il l'a retweeté, ben merci quand même, hein, frère. Ma gueule, merci. Non. Bon, alors ta question, si tu pouvais être un animal, tu serais un serpent, un chat, un chien, une libellule. Je vais mettre comme ça, c'est mieux. Une libellule, franchement, j'ai envie d'être une libellule. Est-ce que j'ai une tête à être une libellule? Non. Alors, un chat, j'en ai un. J'aimerais bien être un chat, c'est vrai. Un chat, ça peut être bien. Tu bouffes, tu dors, tu chies toute la journée. Tu fais rien. Franchement, ça peut être bien. Un chien, ça court trop. Une libellule, je trouve pas pourquoi ça existe. Et un serpent, ben, parce que c'est mon animal préféré. Hein. Voilà, me dites pas parce que je suis un fan de Hunterton, c'est faux. Voilà, donc tes passions, je tiens à préciser que j'ai pas du tout organisé la vidéo, hein. Donc tes passions, alors mes passions sont les jeux vidéo, sont le basket, plutôt la NBA, le foot, c'est plutôt une passion, ouais, donc le catch évidemment, eh ben oui, une autre passion, les mangas, les animés surtout, pas les Naruto, tout ça, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent les animés, l'anime où je suis ces temps-ci, c'est Akame ga Kill. C'est de la bombe.
Si vous connaissez pas, allez voir, c'est de la bombe. Et sinon, il y a aussi... comment il s'appelle celui-là? Tokyo Ghoul. Ah, Tokyo Ghoul aussi, c'est de la bombe, pour ceux qui connaissent. Hein. Ensuite, est-ce que j'ai une autre passion? Attends que je réfléchis. Ah oui, tout ce qui est montage, infographie, création et tout. Ça, c'est plutôt une grosse passion. C'est pour ça que... Après, normalement, je vais faire des études d'infographe pour être... Donc, infographe, pour ceux qui savent pas, c'est... Il y a plusieurs styles d'infographe. Donc, il y a l'infographe web designer, donc pour le design du web, etc. Et en fait, j'aimerais être infographe web design, donc créer les bannières, par exemple, des bannières de sites internet et tout. Donc, ça peut être bien. Franchement, j'ai envie de faire ça, voilà. Mes youtubeurs favoris. Alors, pour te dire, je n'ai pas de youtubeurs favoris. En fait, je les classe par type. Donc, il y a des youtubeurs... manga, des youtubeurs FIFA, des youtubeurs WWE. Donc, on va commencer par youtubeur FIFA. Donc, mon préféré, c'est Psycho17, Flonox et. Comment il s'appelle ? Et Darkos. Darkos 3, donc ouais, mes youtubeurs FIFA. Après, pour youtubeurs manga, donc c'est. Pose manga, le Kuro Otaku, et troisième c'est j'ai vu ça il y a pas longtemps, il a posté une vidéo il y a pas longtemps donc faudrait que je m'en souvienne. Et comment il s'appelle, merde, comment il s'appelle, oh, je m'en souviens plus. Ah, oh, je pourrais être banni pour ça quoi, je suis nul. Oula. Voilà, vous voyez celui qui fait mini menu manga. Voilà, menu manga, je crois que ça s'appelle. Oh, c'est menu manga. Voilà, donc c'est celui-là. Donc voilà, et après, youtubeur WWE, ben, il y a moi. Non, je plaisante, je vais pas me dire que je m'aime. Youtubeur WWE, ben, j'en regarde pas tant que ça, en fait. C'est con, mais j'en regarde pas tant que ça. Il y a un youtubeur WWE que j'aimais bien, mais qui a arrêté de faire des jeux de catch. Qui fait que en Twitch, parce que Twitch c'est bien mieux que YouTube, hein, tout le monde le sait. C'était WWE Simulation, pour ceux qui connaissaient, c'était mon youtubeur préféré. Sinon, en termes de youtubeur WWE, ben, je regarde pas trop youtubeur WWE en fait. De temps en temps, je regarde tes vidéos, Sergent. Des fois, je regarde mes abonnés qui font des vidéos sur le jeu de catch, je regarde de temps en temps. Sinon il y a Rakef BC, mais je regarde plus trop ces temps-ci parce que j'ai plus beaucoup de temps en fait de regarder les vidéos. Voilà. Et ton jeu préféré? Alors là, oula, ton jeu préféré. Alors mon jeu préféré du moment, c'est bien sûr 2K15. Mais ton jeu préféré de of the all time. Ton jeu préféré. ton jeu préféré. Franchement, j'en sais rien du tout, ton jeu préféré. Ah là, tu me poses une douille, hein. Tu me poses une douille, Sergent, tu sais bien ça. Tu me poses une douille. Ouh, mon jeu préféré. Alors, mon jeu préféré. Franchement, là, c'est dur. Bah, c'est Osu. C'est Osu, mon jeu préféré. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai un petit lien d'une vidéo Osu qui sera dans la description. J'y joue ces derniers temps. Si vous voulez, je pourrais vous faire des lives dessus. Ça me dérange pas. Donc, Osu, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc un jeu PC. Vous pouvez aussi avoir sur Mac. Donc, en fait, pour ceux qui aiment tout l'univers manga, animé, en fait, c'est un jeu de rythme de musique. En fait, il y a une musique qui passe. Hein, vous devez la télécharger sur le site. Et après, vous devez faire, par exemple, il y a des cercles qui apparaissent, vous devez appuyer dessus et tout. Et c'est plutôt marrant, moi j'aime bien, j'ai pas encore fait en ligne, faudrait que je teste ces temps-ci. Et franchement, j'aime bien, franchement c'est classe, vous devriez essayer. Comme Hearthstone en fait, et testez aussi Hearthstone, je suis sur Osu et Hearthstone, c'est deux jeux que je kiffe ces derniers temps et que je joue pas mal. Voilà. Ensuite, prochaine question, donc posée par mon cher ami Bouillac619. Alors, comment as-tu connu le catch? Depuis quand suis-tu le catch? GG pour 1000 abonnés, continue. Tu as un bel avenir sur YouTube. Merci, merci mon petit gars, merci pour ton GG. Alors, comment as-tu connu le catch?
Ah ben oui, il fallait qu'il y ait cette question. Comment j'ai connu le catch? Ben c'est simple, alors c'était un vendredi soir. Je me rappelle comme hier, hein, franchement les gars. C'était un vendredi soir. J'étais dans ma chambre. À l'époque ça passait à 20h, à 20h30. Donc ça date, hein, ça date quand ça passait à 20h30. Je zappe, je me dis putain, il y a de la merde, comme d'habitude. Et là, je tombe sur NT1, 20h30, où il y a Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui commentent comme d'habitude. Et là, c'est du catch. Je me suis dit, ouais, le catch c'est bien. Ouais, on va regarder un peu. Je regardais un match. Je regardais deux matchs. Eh ben, le premier match où je suis tombé, faut pas s'y attendre, c'était pas du Undertaker. C'était. Ouh là 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 là, je crois que c'était. Ah oui, c'était ce match qui m'a fait adorer le catch. C'était le fameux. Alors pour te dire, depuis quand je suis le catch? Depuis fin 2008, donc je pense à peu près vers TLC 2008. Mais je sais pas si vous vous rappelez, à TLC 2008, il y avait quoi comme gros match? Oui, j'ai connu depuis quand? Ben, je crois que c'était quelques semaines avant TLC. Je regardais pas les pay-per-view avant, à l'époque, hein. Je regardais que les shows de catch, je regardais pas les pay-per-view. Je savais pas à quelle heure ça passait, donc voilà, je ne savais rien. Mais c'est vraiment, franchement, c'est en zappant que j'ai découvert le catch et que j'ai surkiffé. Ben, c'est comme ça. J'avais zappé une fois, il devait être 23h, je suis tombé sur l'UFC, j'ai surkiffé aussi. Voilà, il faut zapper un peu, vous tombez sur les trucs que vous aimez. Et depuis quand suis-tu le catch? Ben, je t'ai dit depuis fin 2008. Fin 2008, début 2009. Pour moi, l'année 2009 m'a marqué, les amis, ça m'a marqué. Ensuite, de Mohamed Mossab. Mosbah, excuse-moi. Franchement, excuse-moi, je voulais pas. Momo, on va s'appeler Momo, ça te va Momo? Alors, salut Loulou, bien joué pour 1000 abonnés, merci. Bonne chance pour la suite, merci. Ma question est, quel est ton catcheur préféré? Merci, attends, non. Et là, quel détestes-tu en ce moment? Et encore, bonne chance pour l'avenir, merci. Alors, mon catcheur préféré, on va faire dans deux sens. Dans actif et retraite. Alors, mon catcheur préféré en tant que retraité, vous savez tous que c'est Edge, hein, faut pas chercher. Et mon catcheur préféré, c'est l'animal du Shield, l'ancien animal du Shield, Roman Reigns. C'est mon catcheur préféré. Je le kiffe. À chaque fois sa musique, j'ai un truc. Je sais pas, je n'en sais rien. Et laquelle détestes-tu en ce moment? Alors, pour vous dire sincèrement, l'autorité, j'ai envie de leur casser la gueule. Le Big Show, pareil. Kane, il mérite d'arrêter le catch. Mais celle que je déteste le plus en ce moment, c'est la superstar. C'est Seth Rollins. J'en ai horreur. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui aiment Seth Rollins. C'est votre goût. Mais moi, je l'aime pas. Alors, il attaque le Shield. Là-bas, t'es plan B, tu rejoins l'autorité. L'autorité, elle disparaît. Ensuite, il gagne le Money in the Bank, tu ne sais pas par quel miracle. Ensuite, il a deux suceurs qu'ils appellent la JJ Security qui le protègent à chacun de ses matchs et qui l'aide à gagner. Ensuite, au Royal Rumble 2015. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais je vais vous le dire maintenant. Il a été ajouté à un match, mais tu ne sais pas comment, voilà. L'autorité est revenue par quel miracle. Il a dit, toi, John Cena, et toi, Brock Lesnar, y'en a marre que vous affrontez. On va mettre Seth Rollins, et puis voilà. Voilà. Voilà pourquoi j'ai testé Seth Rollins. J'entends sa musique. La pression monte. Je le vois gagner un match. Bon, je vais pas dire je vais lui casser la gueule, parce que c'est lui qui me casse la gueule, à la base. Mais je prie toutes les religions, musulmans, bouddhistes, toutes les religions, pour qu'il y ait un putain de superstar qui vienne et qui lui démonte sa grosse gueule. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusque là. Voilà, donc c'est la superstar que je déteste le plus en ce moment. Une question de Soufiane Madrid. Quel est ton top 5 de tes superstars préférés et ton top 5 de légendes préférées? Bien joué, 1000 abonnés. Merci mon gars. Alors, mon top 5 de superstars. Alors, top 5. Donc, superstar actif, je suppose. Est-ce que je peux mettre des divas dedans? Je pense que je peux mettre des divas. Alors, 5e. Mmh.
Cinquième. Je vais mettre une équipe, je suis désolé. The Ancient Ascent. La nouvelle équipe qui vient de sortir, je la kiffe. Elle a un cache que j'adore. La brutalité, c'est tout ce qu'il faut. Ensuite, top 4. Paige, j'adore. Troisième, AJD, je la kiffe. Je suis amoureux d'elle. Deuxième, Lunatic Fringe, Dean Ambrose. Et premier, évidemment, Roman Reigns, fallait pas s'en douter. Et le top 5 des légendes. Alors. Ok. Cinquième, Lita. Quatrième, The Rock. Troisième, Stone Cold. Deuxième, Goldberg. Premier, Edge. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Huitième question. Alors là, la plus grosse question. Merci, Little Rebeu, de poser toujours autant de questions et autant de lignes. Je t'en remercie. Alors, quel est ton prénom? Vincent. Ça, vous, tout le monde devrait savoir. Quelle équipe de foot supportes-tu? L'Olympique Néanfort, champion de Ligue 1 à la fin de la saison. Attention. Qui est ton joueur de foot préféré? Paul Pogba, le miraculeux, le prodige, 21 ans, c'est un dieu. Pourquoi voit-on moins de vidéos de FIFA? Ah bon? Une vidéo FIFA, ça te suffit pas. Désolé, alors les vidéos fut ces temps-ci, ben, je sais pas, ma connexion, elle pète un câble. Je suis en composition donc de deux squad builders que je vais bientôt vous proposer et qui sont putain d'extra, c'est des putain de grosses équipes. Bon, c'est pas des grosses équipes à 200 000 crédits, hein, vous entendez pas. Mais c'est des équipes à, je crois, 50 000 crédits. Et en fait, le mode carrière de FIFA, il me prend énormément de temps parce que je vais te dire. Alors la vidéo sort le samedi soir. Alors le mercredi, quand je rentre des cours, je dois enregistrer la vidéo FIFA. Ça dure à peu près environ une heure. Ensuite, je dois faire tous les putains de rendus de chaque partie. Après, faire les résumés des matchs, commenter, refaire le montage, refaire le rendu. Je pourrais faire ça en un soir, mais j'ai la flemme. Des fois j'ai la flemme, des fois j'ai envie de regarder des animés parce que je suis plutôt en animé ces temps-ci. Des fois j'ai la flemme de faire un montage, c'est vrai. Mais je pourrais pas supporter de faire des vidéos FIFA genre tous les deux jours. C'est impossible, surtout que je suis un youtubeur spécialisé dans les jeux WWE, voilà. On pourra en voir plus souvent à l'avenir. Alors en fonction du mode Showcase, quand j'en finirai, il devrait avoir normalement une vidéo fut à chaque fois, tous les lundis. Merci de aimer beaucoup ma carte. Quel nombre d'abonnés penses-tu avoir en fin 2015? Alors, c'est très dur à savoir ça, puisque en l'espace de 2 mois, je suis passé, attention, de 600 abonnés à 1000. En 2 mois. C'est historique, parce que normalement, je mets à peu près 4 mois pour gagner 400 abonnés, voire plus. Donc c'est vraiment historique. Donc je pense, allez, fin 2015, les 5000 abonnés, c'est un bel objectif que je n'atteindrai pas, je pense. Regardes-tu d'autres youtubeurs WWE ou FIFA? Oui, je regarde. WWE, pas trop, à part youtubeur américain. FIFA, ben je regarde Enervex Xenon, c'est vrai. Flonox, Darkos 3, Mister Elzas, Flonox, Neoxide 7, je regarde tout ça. Zizou aussi. C'est bien, voilà. Nous feras-tu un jour des vidéos en FaceTime? Ben, tu l'as. Pas tout le temps, parce que c'est chaud de calibrer tout ça, je pense. Quel est ton catcheur préféré? Roman Reigns, j'ai déjà dit. Nous feras-tu des vidéos d'un autre type, d'un autre style, comme DBZ, FIFA Street, WWE All-Star, etc., qui sont un peu plus arcade? Donc oui, je te ferai des autres vidéos d'autres jeux. Alors, DBZ, j'en ai un, sur Xbox. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, on m'a critiqué. Donc voilà, c'est bon. FIFA Street, je l'ai pas. WWE All-Star, je l'ai pas. Mais il y a le fameux One Piece Pirate Warrior 3 qui va sortir en fin d'année. Et normalement, je devrais l'acheter ce jeu parce que je suis pas un grand fan de One Piece, mais j'aime bien ce genre de ce type de jeu. Et en fin 2015, petite news, il y a donc Star Wars Battlefront. Donc le nouveau, enfin, ils reprennent les Star Wars Battlefront. Merci DICE qui devrait sortir en décembre puisque le film Star Wars 7 sort en décembre. Donc ce jeu aussi, je me procurerai. Et je me ferai un plaisir de jouer dessus. Franchement, je vais cracher, je vais geeker sur ce jeu comme un rat. Voilà. Deuxième question. Ta réaction après avoir eu les 1000 abonnés. Alors, ma réaction. Alors, j'étais tranquillement sur mon ordi, sur YouTube, en train d'écouter de la musique. Je me dis, je vais voir mes abonnés. Je vois 1K. Alors, pour beaucoup de personnes, ça aurait été
Ouais, j'ai 1000 abonnés. Au début, ça a été ça. Je me suis dit, j'ai 1000 abonnés. Après, j'ai réfléchi, je me dis, mais merde, j'ai 1000 personnes qui regardent mes vidéos. Sauf qu'après, quand t'as 1000 abonnés, que tu fais que maximum 300 vues par vidéo au bout d'un mois, de que la vidéo soit mise, tu te poses une question. Tu te dis, est-ce que tu mérites vraiment les 1000 abonnés? Est-ce qu'en fait, t'as pas vraiment 300 vrais abonnés? Et voilà. Donc oui, quand j'ai eu 1000 abonnés, j'étais super content. Putain, Tara, j'ai eu enfin les 1000 abonnés. J'y m'y attendais pas à avoir les 1000 abonnés. Enfin, à la base, pour ceux qui s'en rappellent dans cette vidéo, j'ai dit, je ferai une vidéo spéciale 500 abonnés. 2 mois plus tard, les 1000 abonnés sont arrivés. Même pas 2 mois, 1 mois et demi, je crois. Donc ça a été plutôt chaud, hein. Bon, voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo 1000 abonnés. Ensuite, Mahamadou. Mahamadou ou Mamadou? On dirait Mahamadou Mari. Alors, salut Lou 300VP, tac, et là, c'est qui ton catch up ton... C'est qui ton préfère catch? C'est français, ça. Donc, c'est qui ton catcheur préféré, je pense? Est-ce que tu regardes le foot? Est-ce que tu regardes l'UFC? GG pour les 1000 abonnés. Merci pour les 1000 abonnés. Alors, t'as quel âge? J'ai 17 ans et demi, et en mai, j'aurai donc 18 ans, donc j'atteindrai la majorité. Et je pourrai enfin percevoir de l'argent, parce que toutes les vidéos que je fais, c'est... je touche ça. YouTube me donne ça pour les vidéos. Voilà. Quand j'aurai 18 ans, j'aurai ma carte bleue, je toucherai ça. 1 euro. 1 euro la vidéo, attention. Donc Romain Louin, je le préfère dans le catch. Est-ce que tu regardes le foot? Oui, je supporte l'équipe lyonnaise, donc en Ligue 1, donc ben c'est Lyon. Si vous voulez d'autres équipes, en Italie, c'est le Milan AC et la Juventus. En Bundes, c'est personne. En Barclays, c'est Arsenal. J'adore cette équipe. Et est-ce que tu regardes l'UFC? La dernière fois que je regardais l'UFC, ça date de 3 mois. Oui, parce que les shows sont assez chelous. Ça dure 4 heures, les matchs, hein. Les shows du UFC, ça dure 4 heures. Non, mais je regarde l'UFC de temps en temps, ça me fait plaisir de voir les gens saigner. Ensuite, je suis de quelle région? Alors, j'habite à Cannes-sur-Mer. Pour ceux qui ne voient pas, c'est à quoi? C'est à 10 km de Nice, donc de la Côte d'Azur. Pour vous dire que les studios là-bas, c'est pas 10 000 euros, hein. Ouais. C'est 130 000 euros. Alors que si vous habitez dans un combrousse là-haut, dans le nord, 30 000 euros, c'est une maison. Voilà, vous comprenez. Et sinon, si je suis né dans quelle région? Bah, je suis parisien, je suis né dans le 14e arrondissement. Me détestez pas parce que je suis parisien, c'est pas ma faute, voilà. Hein. Ma mère a accouché à Paris, basta, voilà, hein, c'est bon. Oh, faut pas me chercher. Mais je n'aime pas l'équipe de Paris. Je n'aime pas le Qatar. Enculé de Qatari. Est-ce que tu feras des vidéos avec nous, les abonnés? Oui. Enfin, si t'es sur Play 4, oui. Si t'es sur Xbox, c'est foutu parce que j'ai plus d'Xbox Live. Sauf si tu m'en donnes un, et là je pourrais faire une vidéo avec toi spécialement. Mais c'est un secret. D'accord? Et donc, 13ème question. Enfin, je me rappelle plus de la question. Voilà, donc dernière question. Je me suis foiré dans mon capture. Que est-ce qui t'a donner envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Ah, c'est dur, parce qu'en fait, je suis arrivé à la période où le débarquement de nouveaux spécimens sur YouTube arrivait. Oui, je dis le débarquement de spécimens. C'est-à-dire les personnes qui venaient sur YouTube. Donc, je suis arrivé sur YouTube il y a à peu près 2 ans. Donc, j'avais 15 ans. Donc, j'ai commencé avec une caméra et tout, si vous voulez revoir cette vidéo. J'ai commencé, la première vidéo que j'ai postée, c'était des intros à la con que je faisais sur Cinema 4D, j'étais vraiment une merde. Je suis toujours une merde sur Cinema 4D, mais c'est pas grave. Mais vu l'intro que j'ai fait, que j'ai maintenant, je vais plus changer en fait. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Ben, RackFBC m'a donné pas mal envie, UB300 m'a donné pas mal envie. Étant donné que je suis un grand fan de jeux vidéo, ben, je me suis dit pourquoi pas moi, hein. Pourquoi pas moi? Et peut-être plus tard, quand j'aurai mes 18 piges qui sera bientôt, pourquoi pas toucher un peu d'argent pour, par exemple, mes études ou même vous, les abonnés. Je m'explique. Si je gagne de l'argent sur YouTube, ce n'est pas pour mon compte personnel, évidemment. Parce que c'est de l'argent que je trouve non mérité parce qu'en fait, tu tournes une vidéo, il y a des gens qui regardent, voilà, ils te donnent de l'argent en regardant une vidéo. Donc c'est, pour moi, c'est de l'argent un peu non mérité. Si je dois gagner de l'argent sur YouTube,
enfin j'espère gagner de l'argent sur YouTube, ça sera pour vous, donc ça sera donc pour des concours. Par exemple, je vous dis, ouais, concours machin, vous pouvez gagner un jeu, participer. Voilà, donc ça sera pour un concours, pour du matériel, pourquoi pas du matériel gaming, pour vous faire gagner du matériel gaming, pour faire plein de trucs pour vous donner des choses, pour du remerciement, voilà. Voilà à quoi me servira en fait YouTube. En tout cas, j'espère que cette FAQ t'aura plu. N'oublie pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donc on avait 12 questions. Donc c'est pas beaucoup. Quand t'as 1000 abonnés et que tu tapes 12 questions, c'est pas beaucoup, mais ça dure quand même 25 minutes. Donc je trouve que c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de lâcher un j'aime, un commentaire et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine. Je te dis bisous. Et tchuss. Peace. Out!